Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu du process des waves, comment mon histoire a commencé. Et je vais vous parler de tous les petits conseils et tout ce qui se passe là. Donc, pour commencer, les waves, c'était pas. Je voyais pas ça comme. Je me disais pas que j'allais faire des waves, juste que je voulais faire changement. Donc au début, je me suis dégradé avec Lox et tout. Puis je me suis dit, bon, faut faire changement. Donc j'ai commencé à regarder les vidéos de Medex, qui est mon cousin. Yeah. Et là, après, après avoir su, j'ai commencé à suivre ses conseils. J'ai brossé tous les jours. Mes parents riaient de moi, tout le monde à l'école riait de moi parce que j'avais pas beaucoup de cheveux, mais à la fin, ça a payé. Donc j'ai pas désespéré, j'ai brossé. Jamais dormi sans drag, jamais. Toujours suivi les conseils, watch and style, tout le temps. Toutes les vidéos de Medex sont là. Pause publicitaire, donc si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît. Tchouk. Donnez-moi un like. Donnez like à Kenneth. Il s'appelle Kenneth, je sais qu'il ne s'est pas présenté. C'est un villageois. Et c'est ça. On revient à la vidéo. Ok, donc est-ce qu'il y a eu des moments où tu pensais arrêter? Ouais, quand je regardais les vidéos sur Instagram, donc quand je voyais les gars avec des connexions du surf et tout, genre quand je voyais ça, ben, je me disais. Oh, comment je vais arriver à ça? Genre, mes waves ressemblaient pas à ça. C'était un peu des lignes par-ci par-là, donc il n'y avait pas trop de connexion. Mais j'ai continué, et après la coupe, mes waves avaient l'air vraiment plus épaisses, et puis ça ressemblait plus à quelque chose. Donc là, on parle, mais on sait pas si t'as des waves pour de vrai. Est-ce que t'as vraiment des waves? Montre-moi ça. Montre-moi ça, attention, je vais pas m'approcher parce que je sais pas nager. Hein. Ah. C'est dur, hein? Ah. Un peu. Ok, montre-moi ça. Oh, au ralenti. Wouh, wow. He's dipping. Le petit, non. Ah, tu t'as même dépassé le mètre. Parce que moi, j'ai même pas des waves en ce moment. Donc là, peux-tu nous dire ta routine? Qu'est-ce que tu fais pour avoir les waves le matin quand tu te réveilles, la journée et le soir? Le matin, donc, je ne rag. Donc, j'enlève du rag pour faire respirer ma tête. Et je brosse un peu. Donc, un petit 15 minutes, si j'ai le temps. Oil brush, soft brush après. Après, à l'école, je brosse jamais parce que j'ai pas de miroir et faut jamais brosser sans miroir. Donc, après, au retour de l'école, là c'est là où je mets le paquet. Donc, un petit 1h45 minutes. On peut même aller au-delà de ça. Donc, hot brush, soft brush. Et après, je rag pour toute la soirée. Donc, après, je dors avec ça. Donc, peux-tu me dire les produits que tu utilises pour justement accompagner tes waves, le brossage, on va dire? Pour la pomade, j'utilise le 260 Style, j'ai oublié le nom exactement. Mais il faut se dire que ça, c'est pas des produits naturels, donc faut pas non plus en abuser. Donc je mets pas tout le temps, surtout quand j'ai les cheveux courts, je trouve pas une utilité à mettre ça. Je préfère juste rag puis laisser le drag sur ma tête, ça fait même travailler un peu, ça l'aide dans les cheveux aussi. Donc je mets plus ça quand je suis rendu dans un stade avancé, comme après 4-5 semaines, je commence à en mettre comme une fois ou 3-4 jours. Et pour les shampoings, j'utilise Tresemmé, revitalisant aussi. Et ça, le jour le wash and style, et ça se prend 4-5 jours. Donc, on sait tous quand on commence les waves, les gens nous trouvent bizarre. Donc, tu vois, tout le temps en train de brosser. Surtout moi, quand j'étais jeune comme toi, je me brossais tout. Parce qu'en ce moment, je ne le fais plus, là. Mais avant, je brossais souvent, puis là, les gens me regardaient bizarrement, et tout. Peux-tu me dire qu'est-ce que tes amis, ta famille, ton entourage en pensaient? Au début, sûr, à l'école, rien de moi, parce que mes cheveux étaient très courts, donc... Le monde trouvait des noms comme Caillou, Tchoupi, des choses comme ça. Mais quand ça a payé, là, le monde se sent dessus, ils ont arrêté de parler. Et... Est-ce qu'il y en a même qui voulaient en avoir les waves après? Ouais, ça a incité d'autres personnes à en avoir parce qu'ils voyaient que ça réussissait. Donc il y a même quelques blancs en école qui ont commencé à essayer de savoir si ça pouvait. Ils pouvaient avoir les waves. Puis, c'est bon. Avec la famille, c'est sûr que les parents, quand ils voyaient le drag, ils disaient que j'étais un bandit, des choses comme ça. C'était mal vu. Et je me suis aussi crié après parce que je prenais souvent la salle de bain trop longtemps. Pour les waves. Sinon, c'est à peu près ça. Parle à propos de ta ligne, là, la ligne que. Ah, ouais. Pour ceux qui ne savent pas, les drag, le nouveau drag, quand c'est pas comme ça, donc les autres sortes de drag, elles ont des bandes qui sont minces. Et quand elles s'enroulent, ça fait des lignes sur le front. Donc surtout quand je plie le front, des fois quand je fais comme ça, ça fait un peu une ligne. Et sa mère a peur de qu'il ait les rides très tôt, en fait. Ouais, voilà. Faire attention. 1, 2, 3, go! Abonnez-vous! Oui. Recommencez?
Abonnez-vous. Mais regardez. 1, 2, 3. Abonnez-vous. 1, 2, 3. Abonnez-vous. Yeah. Ok, Kenneth, peux-tu nous montrer les brosses que tu utilises? Ok, donc d'habitude, avant, j'utilise. Quand j'ai commencé, j'avais cette brosse-là uniquement. Côté mou, côté dur. Sauf que, comme on peut le voir, le côté dur est pas trop bien. Un peu. Voilà quoi. Et j'utilise plus celle-là, côté dur, la nouvelle. Magic Gold. Donc il y a les boutiques un peu partout qui la vendent. Un peu plus pointu pour la couronne, c'est un peu utile. Et elle est courbée. Donc plus utile que celle-là. Ça veut pas dire que c'est meilleur. C'est pas que c'est. Oh wow, ok. Donc si tu as des conseils à donner aux gens qui viennent de commencer, qu'est-ce que tu peux leur dire? J'ai jamais abandonné. Et se dire que juste faut travailler. Donc pas penser à mettre des produits et tout. Penser vraiment au brossage. Donc c'est dire que c'est la brosse qui va faire toute la magie. On met des fois que la brosse et tout va arriver. C'est sûr que le produit ça vient aider. Donc si vous pouvez mettre le produit, comme je dis toujours, ne vous concentrez pas du fait que ce soit les 360 ou Sporting Wear, peu importe. Un bon produit, quelque chose que. Mais ça peut être même le produit que votre maman utilise pour leurs cheveux là. Ça peut être du Cantu, ça peut être du Olive Oil, peu importe. Donc voilà, tu peux continuer. Et on doit aussi se dire que ça sert à rien de se mettre des objectifs intenses. Donc de regarder les vidéos d'autres youtubeurs sur YouTube et de voir qu'ils ont des waves. Un peu de temps. C'est ça, énorme et tout. Et se dire que, oh, moi j'ai rien, donc c'est-à-dire j'ai raté, j'arrête. Non. Donc continuez. Et mettons après 3-4 coupes. Donc après, mettons une année, si vous voyez qu'il n'y a rien, là après... Là, vous pouvez paniquer. Sinon, il faut dire tout va bien et continuer. Juste mettre de l'effort. Donc jamais se décourager, toujours continuer. Et ne jamais dormir sans durag. Le durag, quand on... Donc, avant qu'on soit dérangé, je disais qu'il ne faut jamais dormir sans durag. Jamais. Never. Donc le durag, c'est ce qui sauvegarde. C'est comme un espace de stockage. Donc si on dort sans durag, ça veut dire qu'il faut mettre encore le double de travail le lendemain. Et ça, c'est pas tout le monde qui a le temps de faire ça. Donc ça peut vraiment genre enlever tout le progress qu'on a get durant toutes les semaines qu'on a bossé. Donc ça va être tout pour la vidéo. Merci d'avoir écouté. Si le contenu de la vidéo vous a plu, vous fait mettre beaucoup de pouces bleus. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la petite clochette. Ouais, n'oubliez pas. Hein. On reste informé. Cocorico. Cocorico Game. Yeah, yeah.